Bonjour les gens. Bonjour. Alors oui, on est déjà au boulot. Bon, hier, vous avez vu ça? On a fait tout ça à la tronçonneuse électrique. Bon, à part ça. Ça, on l'a pas fait à la tronçonneuse électrique. Donc on va recouper un petit peu les bitonniaux là. Parce que la bille part en scierie. Donc on a essayé de la coucher le plus long possible. De façon qu'ils puissent en faire un maximum de choses. Donc aujourd'hui, on va finir de nettoyer ça. Moi, je vais recouper ça là-bas à plat. On va s'attaquer à l'autre. Vous avez Illich qui travaille. Salut. Petit cheval cabré. Ça un râteau. Un râteau. Et la pelle, elle va finement bien. C'est un coup à prendre. Vous avez un biais qui est bizarre, mais par contre, alors pour ramasser, ça va finement bien. Tu vois, je suis d'une main, l'autre main, je tiens la GoPro. Hein. Ça charge bien. C'est bien étudié. Bon, une fois qu'on fait des trucs bien, il faut quand même en parler. Donc, si vous voulez du matos solide, pratique et tout, Revex. Voilà, nous, on travaille avec ça. Maintenant, la suite, c'est quoi? On fait celui-là. On va monter. On va attacher par là et on va tirer là-bas, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. On va le coucher dans le pré, broyer au même endroit histoire de pas faire 50 tas. Allez, boulot. Ah, tu l'attends, hein. Battez. En même temps, il y a longtemps qu'elle a pas démarré. Râteau double utilisation, brossage de chien. Essaye de brosser Mylène. Oh, allez. Oh. Attends, d'abord j'enlève. Oh là là, madame. Bonjour, tu es la bonne fille. Ça va? Pas de chance. Tu l'as découvert. Touche tous. Let's go. Eh mais ça, ils l'ont pas vu parce que t'as pas ta GoPro. Est-ce qu'elle va vouloir travailler, qu'elle sera pas vexée? Raté. Raté. Elle est mignonne, la Bibi à papa. Ça, ça, c'est la machine à papa, là. Ah oui, là oui. Là oui. Ah, longtemps qu'on est copains tous les deux, hein, ma Bibi. Oh, oh, comment? Quoi? Mais tu faisais encore un câlin à une tronçonneuse? Non, je suis privé. Et la gage, manuel. Chérie, t'as vu comment il est fort ton homme? Aïe. T'as dit quoi? Je vais te montrer, moi, elle est toute petite, ma branche. Et voilà. Oh. Bah oui. Hier on avait des branches comme ça, tu sais. Aujourd'hui elles sont comme ça. Y a rien dessous. Ah la merde. Tu vas pas me claquer le baigneur quand même, non? Il est pourri l'arbre. Et maintenant, ah, ma torche. Allez, allez.
regardez. Il est pas frais quand même, hein. Ouais, step, step, step. Et ça, ça louche. Ouais, t'es bien pourri quand même. Regarde ma fille, tiens les portes. Ah, fille à papa. Ouais, ça c'est la fille à papa, ça. Là, par contre... Non. Ah. Et Lilitch. Lilitch. Facile! Allez, ma petite femme! Je prenais juste mon souffle pour la monter. Allez, ma petite femme! Eh, hey, Mimi, t'as pas les boules? Je suis pas assez forte. Monsieur le directeur, c'est bien, c'est propre. Monsieur, il est pourri. Ouais, mais il devait être sec depuis longtemps. C'est bien, ça vient d'abîmer. Donc je suis monté élagué au-dessus de cela. Et après, j'ai pas pu monter plus haut parce que j'avais des pointes qui rentraient de moitié dans le tronc. Eh bien, bon travail, monsieur Lovato, c'est bien. Ça vous plaît? Oui. Donc maintenant, je sais que il y a quelqu'un qu'on peut appeler en confiance si on a quelque chose. Vous êtes dans des tarifs tout à fait corrects. Oui, mais c'est bon, vous occupez un créneau particulier. Mais c'est comme ça aujourd'hui si on veut travailler. Il ne faut pas faire ce que tout le monde sait faire. J'ai fait ça dans une autre activité. J'avais créé une entreprise de course en transport. Donc, et je ne faisais que ce que les autres transporteurs ne faisaient pas ou ouais. Avaient loupé, etc. Mais il y a de beaux trucs à faire. Si vous faites ce que tout le monde fait, vous êtes plein fouet avec la concurrence. Avec ses bons et ses mauvais côtés. Et nous, quand on demande des devis, moi je vois rapidement un devis de quelqu'un qui est sérieux et quelqu'un qui ne l'est pas. Que ce soit en haut ou en bas. Oui, oui, complètement. Oui. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont incapables de calculer un prix parce, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur charge. Et ça, c'est assez embêtant. L'image de sérieux, on l'acquiert en étant sérieux et en faisant un bon travail que vous avez fait là. Vous partez, le chantier est propre, c'est nettoyé, c'est pas du bordel. Bon, vu travailler hier, on a vu que bon, vous étiez, je vous l'ai dit hier soir, un professionnel. Et bien, c'est très bien. Merci, voilà, c'est gentil. C'est merci. C'est tout. Bon, c'est aussi simple que ça. Hein. Bon, et puis, moi, je ne suis pas le seul à réagir comme ça. Vos jeunes, là, demain, quand ils travailleront, il faut qu'ils fassent pareil. Aujourd'hui, c'est assez rare d'avoir des gens qui sont clean. Hein. On essaye. Vous avez des gens, c'est des véritables saboteurs. Vous avez ceux qui ne savent pas travailler, donc on teste, et puis après, quand on connaît, on connaît. Et moi, je sais que si on me demande quelqu'un un jour, ben, j'hésiterai pas à vous donner votre nom. Merci, c'est gentil. J'ai pas peur qu'on vienne me dire, dis donc, celui que tu me l'avais donné, il n'est pas bon. Hein. Que je sais que bon, voilà. Et bonne chance à vous pour l'avenir. Avec plaisir. À bientôt. Merci, M. Marie. À bientôt. Au revoir. Bon, et bien voilà, les gens. Après, c'est bon, gros piment. Oui. C'est du bien un peu d'avoir des compliments. Ah, c'est clair, ça fait presque bizarre, mais ça fait du bien aussi. Hein. Ça fait du bien.
Le chantier est fini, il est je sais pas quelle heure. 17h et quelques, 17h22. Ouais, 17h22. Benoît va rentrer à la maison. Oui. Donc faites attention, c'est dangereux. Oui. Ne faites pas ça si vous l'avez jamais fait, parce que sur de l'arbre sec, ça peut piquer les yeux, ça peut faire pleurer les paupières. Ne faites pas ça tout court si vous l'avez jamais fait. Non, ouais. Ne le faites pas, c'est pas bien. Ça vous paraît simple quand vous me voyez faire, mais... Il y a un peu de méthode. Voilà. Donc faites attention, les lagages ça fait mal. Les tronçonneuses ça mord. Comme d'habitude. Nous on y va. Soyez sages. Mais pas trop. Merci à tous. Bisous à tous. Et n'oubliez pas, la télé, ce n'est que de la télé. Et ne vous voyez que ce que j'ai envie que vous voyez. Allez. Ciao. Au revoir les gens.